Tout va bien. Préparez-vous à des changements. Hausse de la tension artérielle, augmentation du rythme cardiaque, sécrétion de cortisol, diplopie. Vous vous sentez prêt, Martin ? Écoute, en effet secondaire, elle a intérêt à me guérir, votre thérapie. Vous n'êtes pas malade. Alors pourquoi je suis là ? Pour retrouver la mémoire, comprendre l'origine de vos pulsions et parvenir à les contrôler. Si c'était si facile. Ça ne le sera pas. Reposez-vous. Je passerai après la visite de votre frère. Ne lui dites rien. Vous ne comprendrez pas. Ouais, je vais signer demain. Préparez-moi les documents. Oui, je comprends. Hey. Préparez-moi tout et je m'en occupe. Écoutez, je m'en occupe. Ouais, excusez-moi. Je demande à la délai. Je t'ai pris des gâteaux. Merci. Je repasse demain pour te faire signer le bilan. Donc, si t'as besoin de quelque chose, t'hésite pas. J'ai parlé à ta secrétaire. Ça va encore nous coûter cher en indemnité de licenciement, mais elle dira rien. Bon, Je suis désolé, Lucas. Arrête. Bon, je dois te laisser. J'ai encore des trucs à régler. Bonjour. Je cherche Martin Belmont. Il a changé de chambre? Je ne sais pas. On m'a juste dit de la préparer. Attendez. On a oublié ça. Entrez. Bonjour. Bonjour, docteur. Je suis Lucas Belmont, le frère de Martin. L'accueil m'a dit que c'était votre patient. Il n'est plus dans sa chambre. Effectivement, il est à l'infirmerie. Il a eu de la fièvre. Il se repose. Je peux le voir. J'ai des papiers urgents pour lui. Je suis navrée, monsieur Belmont, mais votre frère ne peut pas recevoir de visite. Je le vois dans une heure. Je lui dirai que vous êtes passé. Écoutez, c'est assez urgent. Martin a besoin de repos. Et les visites le fatiguent. Désolée, mais j'ai un rendez-vous. Repassez en fin de semaine.
Tais-toi! Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça va. Vous avez vu mon frère? Oui, je l'ai vu. Parlez-moi de lui, je vous écoute. Lucas? Lucas, il a tout fait pour moi. Je peux au moins faire ça pour lui. Lucas, il m'a toujours protégé sans me juger. Il a essayé de comprendre pourquoi j'étais comme ça. Mais il sait pas. Je veux plus lui mentir à Lucas. Ce qu'il voulait, c'est que ça s'arrête. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour lui. Il y a des choses dont vous n'aviez jamais parlé. Cette thérapie vous fait du bien. Notre séance est terminée. À demain, Martin. Martin! Martin! Ça ne sert à rien. Il ne vous entend pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Votre frère va bien. Il m'a demandé de ne rien vous dire pour ne pas vous inquiéter. Me dire quoi? Il n'est pas souffrant. Il a accepté de lui-même de participer à ce protocole expérimental. Un protocole? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il est en isolement thérapeutique pendant une semaine. Je suis son seul contact avec l'extérieur. Jamais il n'aurait accepté de se laisser enfermer. Laissez-le sortir. Pourquoi? Pour qu'il continue à agresser ses secrétaires? Si Martin ne suit pas ce traitement, il recommencera. Il finira en prison. Et dois-je vous rappeler que vous l'avez couvert ?